Bonjour à tous et à toutes, c'est Gringo et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 7 je sais plus, l'épisode quelque chose de Terraria. Et aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'il y a eu pas mal de vent dans les chaumières, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé entre-temps sur Terraria, entre l'épisode précédent et cet épisode. Et donc je me rapproche tout doucement et vous allez voir qu'est-ce qui est devenu ma baraque. Vous le voyez déjà sur la minimap, mais vous allez le voir en vrai tout de suite. Et voilà, elle est enfin terminée cette petite baraque. Et donc vous voyez que j'ai fait des petites portes en verre, j'ai mis des petits toits. Bon, c'est pas très très joli en fait, hein. Je sais pas si je vais pas les enlever, ce qu'il y a sur les côtés là. Mais enfin c'est bien sympa, j'ai mis mes coffres, donc ici c'est mes armes et les objets autres par là. Ici, c'est tout ce qui est important, ce qui est cher, donc le silver, lead. D'ailleurs, ça, copper, j'en ai pas besoin. Silver et lead, donc qui est très intéressant. Ici, c'est les potions. Ici, c'est tout ce qui est dye, donc tout ce qui est colorant et tout ce qui est agriculture. Et dans celui-là, il n'y a rien pour l'instant. Et donc en bas il y a le début des coffres, donc vous voyez qu'ils sont à peu près tous vides. Ici c'est les blocs, ici c'est les statues, ici c'est les posables qui servent à rien. Ici c'est tout ce que j'ai envie de garder à portée mais que pour l'instant j'utilise pas. Voilà, donc les armures. Donc c'est encore en progrès mais ça avance. Ça avance petit à petit. Donc on va faire quick stack. Et avant de partir d'ailleurs je voulais me faire... voilà, c'était... Hop, toutes les barres en silver et également toutes les barres en LED. Où est-ce que c'est? Là. Voilà. Ok, et donc je sais pas si je vais pas me faire un petit truc du genre. Alors ça et ça, ça me suffit comme arme pour l'instant. J'ai une arme de proximité et une arme de loin. Donc c'est très bien. Qu'est-ce que je pourrais me faire en LED? Ça c'est de LED, ça c'est LED. Il me faudrait un truc, un marteau en quelque chose d'autre. Ce que je vais peut-être faire, c'est faire genre une pioche en silver. 15 knockback, donc c'est pas terrible, mais bon, c'est pas mal. En silver et après un hammer en LED. Ouais, je pense que c'est la meilleure solution. Comme ça, ben, j'aurai un meilleur marteau et une meilleure pioche. Monsieur le marchand, viens me voir. Est-ce que je te la vends ça ou... Ça je te le vends, c'est sûr. Est-ce que ça je te la vends ou j'attends de... Non, je te la vends, j'en aurais pas besoin, j'en aurais rien à faire. Ok, alors ensuite on va faire tout ça. Ok, 88 rouleaux de corde. Tiens d'ailleurs une petite nouvelle assez sympa et que j'attendais. C'est que apparemment la prochaine mise à jour de Terraria, donc une petite mise à jour hein, en toute logique, rajoutera, enfin changera les traductions et ce seront des traductions de qualité. Donc ça c'est vraiment une. Enfin de qualité professionnelle. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle. On va pouvoir enfin avoir des vraies traductions dans Terraria. Enfin, jusque-là il y avait quand même des bonnes traductions. Hein. C'est la mise à jour 1.2 surtout où ça a un peu merdé. Et que c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu en anglais, hein. Si, au cas où je vous l'ai pas dit, je crois que je vous l'avais dit, mais au cas où. Voilà, c'est pour ça que je suis retourné en anglais, parce que les traductions françaises c'était vraiment de la merde. Tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, je vois ça, Yellow Marigold là, ce que je viens de récupérer, c'est un colorant, et donc je m'en suis rendu compte entre les épisodes. Voilà, ce truc là, je vais vous le montrer de plus près, voilà ce truc qui reste là sur la berge. Eh bien, c'est un colorant, donc je l'ai récupéré. Enfin, j'en ai récupéré quelques-uns, et donc j'ai des colorants de cette couleur. Quelques-uns. Daybloom, ça c'est très bien aussi. Hop. Alors j'aimerais bien plus de lentilles aussi. Hein. Les yeux, normalement, ils dropent des lentilles, et ils en dropent assez régulièrement, logiquement. Je vais aller récupérer cette étoile d'ailleurs. Ouais, j'ai assez d'étoiles pour me faire... Un truc de mana que je prends direct. Hop là, par contre là il y a pas mal d'ennemis. Je vais poser une petite torche pour que vous y voyez quelque chose. Ah mais barrez-vous enfin. C'est quoi ça? Ça c'est rien, ok.
Et donc ça m'a appris, oui, les marigolds, de là le colorant orange, je crois, ou rouge peut-être. Ou peut-être même jaune, un truc dans ce genre-là. Eh bien ça m'a appris qu'il faut faire attention. Mais tiens, on va le voir. Yellow, ok, mais c'est bien ça, c'est jaune. Ça m'a appris qu'il faut faire assez gaffe à notre entourage et du coup essayer de miner tout ce qui est minable. Minable pas dans le sens pourri, hein. Non, minable dans le sens que l'on peut miner, parce que du coup ça nous permet d'avoir ça nous permet de trouver des colorants certaines fois. Donc c'est très bien. J'espère que vous y voyez un petit peu quelque chose. Je devrais avoir, voilà, assez pour faire une autre. Hop. Il y avait un truc. Living wood walls. On peut faire du mur. Du mur de cet arbre un peu spécial. Avec du bois tout simple, mais si on se met à proximité de l'arbre, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Si vous vous demandez ce que je fais, je retourne au biome jungle. Blueberries, voilà, très bien, encore un autre colorant. Donc je retourne vers le biome neige pour finir, pour continuer et éventuellement finir l'exploration de la grotte. Là où on s'est fait buter comme des... Non, on s'est même pas fait buter. C'est juste que j'ai quitté le jeu et du coup, bah, ça m'a fait respawn au spawn, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir un petit peu mieux explorer la grotte que la fois dernière, puisque c'est vrai que c'était un petit peu mal foutu comme je l'explorais la fois dernière. Hop, petite Fallen Star. Il y a le petit Daybloom aussi. Oh non! Ah, mais cassez-vous! Bon, on va continuer, on va directement aller en direction de la grotte. Je devrais les tuer, ces yeux. Je devrais les tuer. Oh non, me dis pas que je peux pas récupérer la... Bien. Ok. Ok, très bien. La petite étoile, c'était ça que je voulais récupérer. Hop, ici, on va mettre une petite corde pour récupérer cette petite étoile. Allez, bon, je vais me faire cet œil-là, j'espère qu'il va dropper une lentille. J'en ai récupéré des lentilles ou pas? Non, même pas, depuis le début, j'ai pas récupéré de lentilles. Enfin, depuis le début, depuis le début de l'épisode. Alors, eux, ils peuvent dropper leur équipement, là, les zombies esquimaux. Ils peuvent dropper leur équipement, donc l'équipement d'esquimaux. Donc c'est pour ça que je m'attarde un petit peu plus sur eux que sur les autres zombies. Hop, là. Allez. Voilà. Et non, il a rien droppé. Il a rien droppé. Par contre, ça m'étonne. Je pensais pas que c'était si loin, la grotte. La grotte. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Non, c'est pas celle-là, ça doit être encore plus loin. Voilà, ça doit être la prochaine, là, qu'on commence à voir sur la map. Qu'on commence à voir en vrai, d'ailleurs. Donc si j'évitais de sauter, je pense que je pourrais me déplacer plus rapidement, puisque ça permettrait aux nuages de devenir des vrais nuages. Elle est où, là? L'étoile filante, elle est pas par là? Tant pis. Au début, on devrait pouvoir s'en sortir. Ouais, bon, il faudrait juste que j'essaye de récupérer... Enfin, de faire gaffe à tous les minéraux et autres. Je crois d'ailleurs que j'ai loupé des émeraudes la dernière fois. Donc je vais essayer de voir si je peux pas les récupérer. Donc que je fasse gaffe aux minéraux et tout ça, parce que je crois que j'en ai loupé. À avoir revu l'épisode la dernière fois, je crois que j'ai loupé des minéraux et autres. Hop, 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 hop. Attention à ça. Une petite torche ici. Ici, il y a un petit truc de cuivre. Et ça... En parlant de cordes, on va en mettre une ici. Tant pis pour le... Oh, allez. Allez, allez. Oh non! Voilà, c'était ça que je voulais faire. Ok, ici, il y a... Ah, il y a un bout de caverne à gauche.
Alors attendez, je vais poser ça là. Je vais déjà allumer ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas oublié des trucs par là? Sans polaire, sans polaire. Non, ici ça a pas l'air. J'ai pas l'air d'avoir oublié quoi que ce soit. Peut-être en bas là. Ce truc là. Non. Ok. Hop. On va essayer de remonter tout tranquillement avec des petites cordes. Oh non! Ok. Ok. Hop là. Attention. On va passer par le haut parce que ce sera sans doute plus, pas économique, mais plus simple que de passer par le bas. Ah non! C'est quoi ça? Lime cape. Ah, ça doit être un colorant encore. Ouais, c'est bien un colorant. Oh, je peux encore me faire un mana cristal, mais c'est le bonheur. Hop. Ah bon, mais du coup, ça continue pas là. Enfin, ça continuait plus haut, mais pas ici. On va repasser par plus haut. Hop, mon lance-boule de neige. Très bien. Ah voilà, c'était là que je voulais rentrer. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose en fait. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément grand-chose. Ah, peut-être en bas là. Enfin. Peut-être que c'est des. J'hésite en fait parce que ces trucs-là, je me demande s'il n'y en a pas qui ressemblent à ça, mais qui sont peut-être des pierres précieuses. Donc c'est pour ça que je vais voir de temps en temps. Ça a pas l'air. Ici. Une petite torche. Oh non! Histoire de voir quelque chose. Là, c'est pareil. Alors j'essaie de faire gaffe hein, aussi, hein, de ne pas oublier de pierres précieuses ou autres. Hop, oh non! Oh. Voilà. Je vais les reposer là. Et tout ça pour rien. Et tout ça pour rien. Évidemment. Du coup, où est-ce qu'on en est? Bon, là, il y a un petit truc, mais bon, ça n'a pas l'air très intéressant. On va aller plus bas. Parce que... Mince. Ce sera sans doute plus riche. Et je me rappelle d'un endroit où ça avait l'air bien riche en ressources. Donc, je vais aller par là-bas directement. Enfin, en bas. Ah, c'est du LED, ça. Ok. Ok, hop là, on va essayer de reprendre notre respiration. Non, on va le reprendre à droite du coup parce qu'il y a des slimes un petit peu partout. Voilà, respiration complète. On va récupérer les derniers bouts de LED. Ok. Voilà. Hop là, c'est quoi ça? C'est du silver ça. On dirait bien. C'est bien ça, c'est bien du silver. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Là-haut. Oh non. Je vais aller voir ce que c'est ce. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là plutôt? Au lieu de parler n'importe comment. Finalement, c'était pas grand-chose d'intéressant. Hein. Ici non plus. Mais non, je peux pas en mettre. Ah non, ça c'est plein d'eau, ok.
Ok, bon, il n'y a rien d'intéressant. Donc c'est tant mieux. Grâce à mon casque de mineur, c'est vrai que je peux y voir assez bien à chaque instant. Salaud. Ah! Ok. Là-dedans, il n'y a rien. Ces trucs-là, c'est pas du... Non. Où est-ce qu'elles sont tous les... Où est-ce qu'ils sont tous les minéraux que j'ai loupés? Bon, on va pas se faire tous les slimes non plus, hein. Ça, je sais toujours pas ce que c'est, ces trucs-là. Hein. Ah, voilà! Ça. Ça y est. De l'améthyste. Ok. Bon, et du coup, il n'y en a pas tant que ça. Je pensais que j'en avais loupé plus. Alors, je fais toujours gaffe. Ah non. Ça m'énerve. Ça, je... À chaque fois, j'oublie de revenir sur la bonne case. Et du coup, je reste sur les cordes. Hop, 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 on va essayer de pas tomber tout en bas quand même. Voilà, ici. J'ai rien loupé apparemment. Le sluche là, on va pas le récupérer, hein. On a bien compris que ça servait à rien. Alors, c'est ici qu'il faut essayer d'être un peu plus stratégique. Je vais faire ce petit chemin là en bas. Bah, d'accord, c'est super court. Pour être sûr que j'ai rien oublié, et puis hop. Et puis on va remonter et on va se faire ce chemin-là et on remontera après. Ok, ça y est, c'est planifié. Donc là, on va passer à gauche. J'ai toujours rien oublié par là, on dirait bien en tout cas. On va y aller pas trop trop vite non plus, histoire d'éviter de mourir en arrivant en bas. Là, il y a du minéraux. Il y a du minerai plutôt. Ok, on y va, tant pis pour les dégâts de chute. On n'en a même pas pris, donc c'est très bien. Hop, ici, il n'y a rien, on dirait bien. Ah ouais, c'est ça, il n'y a rien. Et du coup, on va passer à gauche. On va essayer de voir si... Si on n'a pas oublié un truc. Non. Je veux... Ah, j'ai plus de torche. Ok. Une petite 99 zen encore. Hop, histoire d'y voir quelque chose. Ah, mais cassez-vous! Ah bon, on va miner par là, puisqu'il y a du silver. J'aimerais bien trouver un peu plus de pierres précieuses, parce qu'après on peut se faire... Hop, 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 hop. On peut se faire une robe, on peut se faire des pouvoirs magiques et donc utiliser un petit peu de mana au lieu de... Oh, un squelette. Utiliser un peu de mana au lieu de... Undead Viking. Viking, putain. Au lieu d'avoir des armes un petit peu pourries à chaque fois. Bon, je me suis un petit peu soigné parce que c'est vrai que j'avais perdu pas mal de vie. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Rien. Enfoiré! Hop, ici. Un petit peu de LED. Toujours pas de pierres précieuses. Torch. Très bien. Il y a un truc en bas, mais bon, j'ai encore... Oh, ça a l'air d'être gigantesque. Est-ce que c'est marqué? Ouais, c'est marqué sur la carte, donc comme ça au moins je pourrais y revenir. Ouais, ça c'est... C'était très pratique, ça, dis donc. Je l'ai récupéré parce que bon, j'avais pas envie de les laisser par là.
Hop, 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 il se rapproche là. Oh, c'est bon. Toujours la transition entre l'outil qu'on utilise et celui qu'on veut utiliser. Eh bien, pas forcément toujours évident. Oh, Viking Helmet! Non, par contre, je veux pas le mettre à cette place-là. Je voudrais qu'il soit ici. Regardez-moi, je suis un Viking. Et il est pas beau mon casque là. Topaz, très bien. À chaque fois. À chaque fois, je suis obligé de me planter. Ah bon, ben on a un topaz, ce qui est relativement nul, étant donné qu'il en faut quand même pas mal pour pouvoir se faire de bons équipements. Mais bon, c'est un début hein, encore. Hein. Mmh. Tu veux pas t'accrocher? Ah voilà. Non. Par contre. Non. Ça m'énerve. Comme il y a des. Oh, mais je la tenais là, la corde. Comme il y a des demi-dalles et autres. Bien, du coup, c'est vrai que c'est pas forcément plus évident de. Je sais même plus ce que je dis. Comme il y a des dalles et. Oui, des demi-dalles et tout ça. Eh bien, c'est vrai que c'est pas forcément évident de passer d'une corde à l'autre et de sauter au bon moment. Vous voyez, là, voilà. Je me plante. J'arrive pas du tout à avancer. Là, c'est très bien. Là, je me suis bien débrouillé, dis donc. Alors je sais pas du tout à combien de temps on est dans la vidéo. D'ailleurs c'est par où qu'il faut que je passe. C'est encore plus haut. Ok. Lui je vais le tuer. Parce que je crois que c'est eux qui peuvent donner des hooks. Donc de quoi se faire un grappin classique j'ai envie de dire. On va laisser le battre ici. Hein. On a pas peur. On prend une petite popo pour revenir plus ou moins à vie pleine. Pour récupérer plus ou moins toute notre vie. Et on remonte. Et par contre il a pas droppé son... Le hook, donc on peut pas se faire de truc encore. Ouais, c'est par là. On peut pas encore se faire de hook, non de grappling hook, plus que de hook. Ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des. Ok, bon. Qu'il y a peut-être des bons trucs là-haut. Finalement peut-être pas. Hein. Regarde ça, on revient là. Ça c'est rien évidemment. Pop 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 pop. Et ça c'est juste de la glace. Ok, ça aussi. Bon, ben rien d'intéressant. Rien de bien folichon et on va continuer. Non, là 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 là. Quelle idée de regarder la carte à ce moment-là aussi. Bon bah écoutez, ça va encore faire une bonne fin d'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, merci de bien vouloir laisser un petit pouce vert pour m'encourager et pour voir la suite des prochains épisodes. Enfin, voir la suite de l'aventure par les prochains épisodes. En tout cas, moi je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que cet épisode vous a plu. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!